2024 est en train d'arriver, mon ami. Il y a des choses qui doivent rester. Il y a des choses qui doivent... Il fallait que quelque chose tombe. Il fallait que quelque chose tombe. Tu ne peux pas entrer en 2024 avec quelque chose qui t'alourdit. Il y a des choses qui te retiennent encore. Tu as la force satanique de la femme de Potiphar qui veulent t'empêcher de pouvoir entrer dans ta destinée. Joseph s'est dit, hey, là mon gars c'est chaud. Soit je reste dans les bras ou soit je laisse partir. Alléluia, alléluia, amen. Vaut mieux perdre ton manteau, te retrouver même nu et être digne devant l'Éternel et entrer dans ta destinée. 2023 n'est pas encore passé, il y a encore le temps de faire des choses. Mon ami, il y a de ces personnes-là qui sont toxiques pour toi et tu ne le sais pas. Il y a des personnes qui sont bienveillantes et qui ont un bon cœur. Mais il y a de ces personnes-là qui sont des requins, alléluia, qui prennent du plaisir à te voir ramper devant eux. Tu es en train de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé un ver de terre. Il ne t'a pas créé pour ramper au sol. Il t'a créé pour voler. Oh, tu es un aigle. Alléluia. 2023, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit tomber. Je dois lâcher quelque chose. Alléluia. Si ça doit être une personne, ça sera une personne. Si ça doit être une situation sulfureuse, tu dois la laisser tomber. Alléluia. J'aimerais que tu puisses faire le point autour de toi et que tu puisses regarder quelle est la chose en 2023 qui te retenait.